Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve sur Island Alone et le créateur du jeu nous a lancé un défi. Donc on va devoir réaliser un scénario sur la carte Archipel. Le scénario, ça sera Attendez les secours, avec un prédateur qui est l'aigle et également les pirates attaquent. Donc on va faire le point sur les règles de l'aigle. Placez le marqueur aigle en dehors du terrain de jeu. Numérotez les cases vides avec le numéro 1 jusqu'à 6, à au moins 5 cases les unes des autres. À la fin du tour du joueur, on lance un D6 pour déterminer sur quel terrain il va atterrir. Si le joueur est sur un terrain où il a atterri, il doit sacrifier 3 points de survie ou perdre 2 points de santé. Si le joueur est sur un terrain adjacent à l'atterrissage, il doit sacrifier 2 points de survie ou perdre 1 point de santé. Une fois que l'aigle s'est posé et qu'il a peut-être attaqué, on remet son marqueur en dehors de la zone de jeu. Ça, c'était pour l'aigle. Et ensuite, on a les pirates attaquent. Les pirates ont coulé votre navire. Miraculeusement, vous avez réussi à atteindre le rivage. Ils savent qu'en débarquant, ils n'auront plus l'avantage sur le terrain de jeu. Ils décident de rester en mer et tirent au canon sur l'île. On va devoir marquer 6 points quelconques en bas et en haut de la carte, devant les hexagones de la carte, dans la zone océanique. À la fin du tour du dernier joueur, on lance un D6. Il détermine sur quelle colonne les canons du navire tirent. En cette colonne, le premier objet qui se trouve du côté du canon est détruit. Tout élément de la carte, tel qu'un palmier, une ressource, un lézard, un cristal, etc., sauf un champ vide. Sur un tel champ, vous ne pouvez plus récolter ni construire dessus, car il est détruit. Cependant, vous pouvez vous déplacer librement. S'il n'y a pas d'objet sur la trajectoire du tir, ben, il ne se passe rien. Un autre coup de canon traverse les champs déjà détruits. Si un joueur est sur la colonne d'attaque d'un canon et n'est pas couvert par un objet, il doit sacrifier 3 points de survie ou il meurt immédiatement. Si un joueur est sur une case adjacente, au terrain détruit, il doit sacrifier 1 point de survie ou perdre 1 point de santé, 1 point de vie. Donc ça, c'était pour les pirates attaques. Et on fait donc le scénario « Attendez les secours ». Du coup, les pirates ont coulé notre navire et on est sur le rivage. L'entreprise qui nous attendait connaissait très bien la route, mais c'est sûr qu'ils vont commencer à nous rechercher et le sauvetage viendra bientôt. Jusque-là, en fait, on va devoir survivre. Donc, condition de victoire, chaque joueur choisit un lieu de départ bordant l'océan. On a le droit de choisir une ressource ou du bois, ou de la pierre, ou une corde, et on doit survivre sur l'île pendant 17 jours. Donc ça va être plutôt tendu, en sachant qu'on va se faire attaquer par les pirates et par l'aigle, donc je pense que ça va être bien bien chaud. Alors, nous, ici déjà, on va devoir donc choisir une ressource, ici, ou du bois, de la corde, ou de la pierre, et pour l'aigle, on va devoir marquer à l'intérieur des îles des numéros pour que l'aigle puisse se poser à l'intérieur. En plus de ça, tout autour de l'océan, donc en haut et en bas, pareil, on va devoir numéroter des colonnes. Lorsque on jettera le dé, le bateau tirera sur une colonne désignée. Ok. Du coup, eh ben, c'est parti. On va aller se diriger vers la table de jeu. Alors, donc l'aigle va être représenté par le pion noir et donc on doit marquer des numéros. Alors, on va faire mettre le 1 ici, 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 2 on va le mettre là, 1, 2, 3, 4, 5, on va le mettre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va le mettre là, 4, 1, 2, 3, 4, 5, le 5, ou alors le 5 on le met là et le 6 on le met sur la petite île. Non, le 5 on va le mettre là. 1, 2, 3, 4, 5. Là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6 on va le mettre. Bon, ça ferait 1, 3, 4, 5. Ouais, je pense que ça va le mettre comme ça. Ici. Donc ça, c'est pour l'aigle. Et ensuite, donc les pirates qui seront représentés en rouge. Ici, donc on doit sélectionner des colonnes. Donc, du coup, là, les colonnes, elles sont pas alignées. Alors,
Donc ça va tirer dans la colonne de l'île en fait à chaque fois. On va faire, on va mettre où il y a le plus de cases. Je pense qu'on va faire un ici. On va faire deux là. Voilà. 4, 5 et 6. Où il y a le plus de colonnes, j'ai mis mon bateau pirate. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite, donc je vais prendre, qu'est-ce que je pourrais faire? Je dois quand même survivre 17 jours. Donc l'idéal, moi ce que j'aime bien faire, c'est me faire ou une gourde ou un pot. Ou alors peut-être je commence à faire l'arc pour pouvoir tuer des lézards, pour avoir plus de bouffe. Mais je pense qu'on va partir peut-être sur le pot. Alors je vais prendre du bois. Je vais prendre du bois ici. Donc je mets un petit morceau de bois. Ok. Donc on est prêt. Ben, on va commencer la partie. Donc moi, je suis en bleu et je dois commencer sur une zone bordant l'océan. Bordant l'océan. Je vais arriver à parler. Alors là, je vois que dans l'île, l'idéal, ça serait peut-être celle-ci. Moi, il me faut quoi? Il me faut de la pierre. Donc, je vais peut-être commencer sur celle-là. Moi, j'aurai l'eau et la pierre. Donc, moi, je commence. Allez, je vais commencer ici. Pour pouvoir aller dans une île, ça, j'ai oublié de le préciser, pour pouvoir jumper dans une île et dans l'autre. D'ailleurs, celle-là, je peux aller ici et je peux aller ici. Je ne peux pas aller sur celle-là. On va devoir dépenser un point de survie. On va bien faire attention à récupérer des points de survie pour pouvoir aller sur une autre île. Parce que sinon, ben, on peut se retrouver coincé. Et d'ailleurs, je me demande si c'est une bonne idée de commencer sur une petite île comme ça. L'idéal serait peut-être de commencer sur une grande île plutôt ici. Il y a plus de chances d'avoir des points de survie pour pouvoir jumper d'une île à l'autre. Donc je change mon plan et je vais commencer ici. Allez, on y va. Premier tour de game. C'est parti. Alors, je fais 3, 3, 1, 4. 3, 3, 1, 4. J'ai 3 en eau ici. J'ai 1 en bouffe. Moi, j'ai dit que je voulais faire la gourde. Je voulais faire le pot, pardon. Un 4 pour le pot, pour le plan, mais peut-être faire ça au prochain tour. Et il me faudrait de la pierre aussi. On va faire, on va prendre des pions, on va prendre des points de survie plutôt. Donc, ce que je vais faire, je vais dépenser mon 3 pour me déplacer sur l'eau, ici. Et mon 3 pour gagner un point de survie, car sur l'eau, c'est le numéro 3. Ici. Donc je récupère de l'eau. Hop. Et je récupère un point de survie. Ici. Mettre 100 points de survie. Tiens. Ok. Là, déjà, j'ai récupéré ici. Et j'ai gagné un point de survie. Ensuite, je vais faire un move 4. Move 4, donc 1, 2, 3. Et la nourriture, c'est un numéro 1. Donc là, je récupère la nourriture. Une nourriture, je gagne un nouveau point de survie. Ici. N'existe. Moi, j'ai fini de jouer. Donc, on va faire jouer l'aigle en premier. Donc, l'aigle, c'est 6. L'aigle, il est en noir. Et l'aigle, il vole. Il atterrit ici. Ensuite, c'est au pirate de jouer. Les pirates y font 6 également. Donc, ils naviguent autour, ici, et donc, ils tirent. Ils tirent et ils détruisent donc la première case avec un objet. Ici, ils détruisent l'eau. L'aigle, il repart parce qu'il n'y a personne. Ici, et donc, on a fait le premier jeu. Maintenant. Ok, bon. Ça va être un scénario assez compliqué. Allez, donc nouveau jour, jour 2. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île, dis donc? Possible, on se fait attaquer. Ok, là j'ai fait un 6, donc c'est intéressant parce que je vais pouvoir récupérer la pierre. Aïe. Je vais faire le plan. Je vais faire le plan. Je vais faire le plan. La corde ici aussi, encore un point de survie. Je pense que dans ce scénario, c'est quand même important d'avoir des points de survie pour pouvoir ignorer les dégâts. Un 1, un 4. L'arc, ça serait l'idéal de faire un arc aussi.
pour tuer les lézards. J'hésite à faire le plan de la gourde. Je pense qu'on va faire le plan de la gourde. Donc je défausse mon 4 et mon 6. 4 et le 6. Les défausse, j'ai fait le plan. Ensuite, je fais un déplacement 4. Donc je fais 1, 2 ici sur la pierre. Et je défausse mon 1 pour la ramasser. Là, j'ai une pierre. Ici, j'ai fait le plan. Donc je défausse mon bois et ma pierre pour faire hop, ici le pot. Moi, j'ai fini de jouer. Là, la pierre a disparu. Donc c'est à l'aigle. L'aigle, il fait 2. J'ai de la chance. J'atterris ici. Donc, il n'y a personne autour. Il ne m'attaque pas. Ensuite, c'est aux pirates. Les pirates, ils font 4. Ils viennent ici. Ils tirent. Et ça détruit la nourriture. L'aigle, il repart. Et donc, nouveau jeu. Ok. Bon, là, l'idéal, ce serait que je fasse un arc. Que je récupère le masque, pour récupérer la corde et le bois avant de partir. C'est quand même pas mal, là, en sachant que dans le troisième jour, il faudra que je dépense de l'eau. Voilà le score. Donc, je fais 2, 1, 1, 3. Ce que je peux faire, je peux aller récupérer le morceau de bois. Je pourrais pas faire. Et je pense que je vais faire. Je vais dépenser mon 3 et mon 2. Donc je dépense mon 3, je fais 1, 2, 3 sur le bois. Et le bois, c'est le numéro 2. Donc je gagne un nouveau point de survie et je gagne un morceau de bois. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est... Ah merde, c'est un 1. Tant pis, ben, je dépense un point de survie ici pour transformer mon... Je relancerai pas le dé plutôt. Intéressant de relancer le dé, ça changera rien, je pense. Je relance le dé, non, donc je transforme mon 1 en 2, donc je fais 1, 2, et avec mon 1, je récupère un masque. J'ai fini de jouer. C'est à l'aigle, l'aigle il fait 3 ici, les pirates ils font 2. Ah, il va me tirer dessus. Ah non, ça va, j'ai de la chance. Oh. Le premier objet, il tire ici. Tu m'as loupé, tu m'as loupé. Ok, donc l'aigle il revient ici. Ok, et donc, nouveau jour, je perds de l'eau. Allez, on y va, on y va. Donc, 5, 2, 1, 1. Là, il me faut de la bouffe au prochain tour. Dommage, c'est un. Oh, je pourrais dépenser 2 points de survie pour transformer le 5 et le 3 pour faire l'arc. Après, il me resterait un 1 et un 1 et la corde elle est bien trop loin. Donc je vais dépenser mon 5. Et 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, le masque ici, il a été récupéré. 1, 2, 3, 4, c'est un 6 qui a sur la corde. Je vais défausser 1. C'est un 1. Donc je récupère la corde. Et il me reste 2 et 1. 2 et 1, je ne peux pas faire grand-chose. 2 et 1, 1. Je regarde dans mes schémas. Je pourrais peut-être faire un schéma pour faire une tente, mais il me faudrait 3 cordes. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse le tour. Pour aller sur une autre île. Mais j'aimerais finir de récolter ce qu'il y a sur cette île avant de partir. Dépenser un point de survie ou me déplacer de 3. 2, 3. Ça vaut le coup en sachant que je vais être adjacent au numéro 2. Pour l'aigle, c'est pas trop bon. Alors, je redépense encore un point de survie, mais ça m'embête. 3 ou relancer un dé. Ouais, j'hésite. Ouais, je me demande si ça vaut pas le coup de. Je dépense un point de survie ici. Et donc je vais, oups, je vais relancer mon 1.
Et je fais deux. Ah, putain, non. Ok. Bon, ben, je peux faire un move 4. Hein. Je vais faire un move 4. Un move 4. 2, 3. Ok. Moi, j'ai fini de jouer. C'est à l'aigle. L'aigle, il fait 2. Je reviens ici. Il me suit, il me traque. Hein. Il me traque. Les pirates, ils font 5. Ici. Ok. Donc l'aigle, il revient là. Nouveau jour. Je perds la bouffe. Ok. Et donc, nouveau tour de jeu. L'eau. Alors, c'est bien, j'ai fait un 6 déjà. Alors, bon, là, je peux faire l'arc. Je pourrais ramasser l'eau. Alors, donc, je vais faire ça. Donc, avec mon 6. Je vais récupérer l'eau. Je suis déjà sur l'eau ici. Je récupère l'eau et c'est un 6, donc je gagne un point de survie. Je récupère de l'eau. Ensuite, dépenser mon 6. Ensuite, je vais dépenser un point de survie que je viens de gagner. Je vais transformer mon 5 en 6. Avec le 6 et le 3, je vais faire l'arc. Moins le plan. Je défausse mon bois et ma corde ici. Et là, j'ai fait mon arc. Là, et il me reste un 3. Il me reste un 3. Ben là, je ne peux rien faire. Je pourrais me déplacer dans une autre case. Mais là, l'idéal, ça serait de tuer le lézard au prochain tour. Ou alors, je bouge, tant pis. On le laisse, celui-là, je bouge dans une autre case. Non, je pense que je vais rester là et je vais le tuer. Je vais le tuer, en plus, il me reste qu'un point de survie, donc je pourrais aller ici. Ah ouais, il est chaud le scénario quand même. Pas évident, parce qu'il faut quand même garder ses points de survie. Donc tant pis, je vais passer mon tour, je fais rien d'autre, je vais rester là. Allez, c'est à l'aigle. L'aigle, il va en 5. Et ici, les pirates, ils vont en 1. Allez, coup de canon, feu! Ça tire sur le palmier, ici. Je reviens là. Et donc, nouveau jour. Et je perds l'eau. Ok. Allez, allez. C'est bon, j'ai fait un 4. Donc, je vais utiliser mon 1 pour aller dans le lézard et je me sers de mon 4 pour le tuer. Le tue, ça me fait 4 points. Marqué avec des dés. Sinon, je vais oublier après. Ah, 4 points pour ce lézard. J'ai le pot, donc je gagne de nourriture. Et ensuite, il me reste un 3 et un 3. Alors, je ne sais pas si les rivages, les rivages, moi, si la mer ou l'eau, en fait, on la compte comme une case. Je ne sais pas trop. Donc, je pense que je fais 1, 2, 3. Même, allez, pas aller par là, sinon, plutôt, il y a plus de choses, on dirait par ici. Les pirates n'ont pas trop attaqué de ce côté. Je vais faire un déplacement 6. Qu'est-ce qu'il me faudrait là? Là, l'idéal, ce serait qu'il fasse la gourde au prochain tour. Il faudrait du bois et de la corde. Je pense que je vais me diriger vers là-bas. Donc je vais faire un déplacement 6. Donc je fais 1, 2, 3. Je dépense mon point de survie. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5 et 6 ici sur la corde. J'ai fini de jouer. À l'aigle. L'aigle, il fait 1. Là, les pirates ils font 4, ouais. Ils défoncent le lézard. Hop, l'aigle revient là.
jours vers une nourriture. Il va me falloir de l'eau aussi. Oui, là, il n'y a pas d'eau ici. Oui, elle est juste. Alors, 4, 4, 2, 3. L'eau, c'est un 4. Ah ben, je vais faire ça. Donc, je garde un 4 pour l'eau. Donc, je me sers de mon 2 pour me déplacer sur le lézard. Je dépose mon 4, car sur le lézard, c'est un numéro 4. Je gagne encore 4 points. 4 points de nourriture. Et ensuite, je dépose mon 3 pour aller sur l'eau et mon 4 pour récupérer l'eau, en sachant que l'eau, c'est un numéro 4. Donc, je gagne de l'eau et un point de survie. Ok, donc moi j'ai fini de jouer. Vers l'aigle. L'aigle il fait 2. Viens là. Les pirates ils font 6. Ça détruit le palmier. Puis il repart. Puis il repart. D'ailleurs, j'avais valeur. Ok, donc nouveau jour. Ah, je perds l'eau. Alors, 4, 2, 2, 1. 4, 2. Et moi, pour la gourde, il me faut du bois et la corde. Là, je vois que j'ai un 2. Je pourrais récupérer la pierre. Alors, non, ça sert à rien. Former un dé, ça serait con. Récupère la pierre. 1, 2, 3, 4, je récupère la pierre. Un point de survie. Après, il me resterait 2, 1. Je vais prendre la gemme, remarque. Je vais faire ça. Donc 4, je fais 1, 2, 3, 4 sur la pierre. Je défausse mon 2. C'est un 2, donc je gagne un point de survie. Et une pierre. Là. Et ensuite, il me reste 2 et 1. 2 et 1, soit je prends la gemme. Tant pis, j'ai 2 points de survie, je pourrais déjà récupérer la corde. Ah, je pense que je vais récupérer la gemme, donc je vais faire déplacement 1 et avec mon 2, je récupère la première gemme. Ok. Là, il faut que je fasse gaffe parce que plus d'eau ici sur cette map. J'ai plus d'eau sur cette map. Et au prochain jour, il y aura de l'eau. Sinon, je vais perdre un point de vie. Pas prévu ça. On perdra un point de vie. Ok, ben moi j'ai fini de jouer. Donc c'est à l'aigle. L'aigle, il fait 3. Il vient là. Le bateau pirate est 1. Il vient ici détruire le masque. Ok, donc il ne se passe rien. L'aigle y revient. Au jour, je perds de la boue. Alors, 5, 4, 4, 1. Déjà, sur la corde, il y a un 5. Il me faut 1, 2, 3. Donc ce que je vais faire, je vais défausser mon... Je vais me servir de mon 4 pour faire un move 3. 1, 2, 3 sur la corde. La corde, c'est un 5. Donc je récupère la corde, gagne un point de survie et une corde. Et ensuite, il me reste 4, 1. Donc je vais faire 1, 2, 3 avec le 4. 1, 2, 3 sur le bois. Et avec le 1, je récupère le bois. C'était un numéro 6, hein, donc je n'ai pas le droit de point de survie. Ici, et je récupère un peu de bois. Ok. Moi, j'ai fini de jouer. Je le sens bien, l'aigle va venir me défoncer. Ah, je le savais, non ah. Donc il arrive ici, l'aigle.
Il arrive adjacent à ma case. On nous dit si le joueur est adjacent au point d'atterrissage, il doit sacrifier 2 points de survie ou perdre 1 point de santé. En sachant que je vais perdre un point de vie à la fin du jour parce que j'ai pas d'eau. Alors je réfléchis, j'ai 3 points de survie. Je vais sacrifier 2 points de survie pour ignorer le dégât. Ouais, vaut mieux faire ça. Alors je les garde, je perds un point de vie, mais c'est chaud. Et le bateau, au pire, dans le bateau pirate, il ne pourra pas m'attaquer. Ok, donc je sacrifie 2 points de survie. Et puis les bateaux pirates, il fait 3 également. Il vient là. Et dis donc, ils m'en veulent. Ça détruit la nourriture. Ok, tout le monde a joué. Donc je perds de l'eau, mais j'en ai pas. Donc je perds un point de vie. Il rebond. Alors je fais 6, 5, 1, 2. Déjà, là, je pourrais faire la gourde. Je pourrais me déplacer de 7. Bonne idée de se déplacer de 7. Ah ouais, mais là, il n'y a pas d'eau non plus, quoi. Mais c'est quoi ce délire? Ah, il n'y a pas d'eau là-bas. Un, deux, trois, quatre. Pour risquer, je serai à côté du... Là, prochain jour, il va me falloir de la nourriture. Donc, j'aurai peut-être le temps d'aller là-bas. Je vais récupérer un autre point sur... Alors, ce que je fais déjà, je vais me servir de mon 5 et de mon 2 pour faire le plan de la gourde. Je défausse mon bois et ma corde. Hop, et donc je crée la gourde. Ensuite, j'ai un 6 et un 1. Moi, je récupère le masque, mais après, je suis super loin. Pour aller là-bas, je suis hyper loin. Alors, je pourrais faire 2, 3, 4. Je dépense un point de survie. 4, 5. Voilà. Quand j'utilise mon masque, je peux transformer le dé à la valeur de mon choix, donc en exemple, et je pourrais très bien attaquer le lézard là. Des fois, c'est un masque. Tant pis. Donc, je vais défausser mon masque. Ici, je vais transformer le 1 en 6. Et donc, je fais 1, 2, 3, 4. Je défausse mon dernier point de survie, 4. 5, 6 sur le lézard. Et je défausse mon 6 pour le tuer. Ici, donc c'est un 4. Je gagne encore 4 points. 4 points. 4 points. Et je gagne 2 nourritures. Nourriture, je suis plutôt cool. Plutôt bien. Hop, d'accord, on va enlever ça. Ok. Ok. À l'aigle de jouer. Là, je suis assez éloigné, donc il se passera rien là normalement. Donc l'aigle il fait 6. Voilà. Les pirates font 3. Ils sont déjà sur 3. Bouge pas. Et où tu tires, espèce d'idiot, il n'est plus ici. Ok. Donc là, je perds une nourriture. Et donc c'est parti pour le nouveau jour. Là, moi, il va falloir absolument de l'eau. Donc, je fais 6, 6, 6, 7, 4. Ah ouais, mais j'ai plus de points de survie. Là. Oui, j'ai plus de points de survie. Donc, j'ai un bois en 4. On va faire 6, 4. 1, 2, 3, 4, 5. La corde, j'ai pas trop le choix là. Alors je vais plutôt vers là sur la corde déjà. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et je pourrais peut-être tuer le lézard là. Alors je vais faire ça.
vais me servir de mon... Dans la loge, je pourrais pas y aller. À moins que je fasse un déplacement 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Et non, de toute façon, je peux pas y aller, j'ai pas de point de survie. Donc je fais déplacement 6, donc je fais 1, 2, 3 sur la corde. La corde, c'est un numéro 4. Je gagne une corde et un point de survie. Et ensuite, je fais un déplacement 6, donc je fais 1, 2, je déplace mon point de survie. 2, 3, 4, 5, 6. Il manque une case. 3, 4, 5 sur le lézard. Et je dépose mon dernier 6 pour le tuer. Le lézard, c'est un 4. Donc je gagne encore 4 points. Ici. Et je gagne 2 nourritures. Donc, moi, j'ai fini de jouer. Putain, il faudrait pas que les pirates ils m'attaquent là, c'est bon. L'aigle, hop, d'ailleurs, j'ai oublié de l'enlever de là. L'aigle, il va en 2. Les pirates, ils vont en 3. Putain, j'ai de la chance. Ah, là, ce qui s'est passé. Oh, les gars, vous abusez, vous tirez où là? Ok, donc là, nouveau jour, je perds de l'eau, mais j'ai pas d'eau. Je perds encore un point de vie, il me reste un PV. Il me reste un PV et donc nouveau tour de jeu. On est au jour 9, 10, 11, on est au deuxième jour. Alors, bon, pour du beau score, ça c'est bien. J'ai plus de points de survie en plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Il y a un masque là-bas, ça serait pas mal de le récupérer. Il y a une gemme. Mais de toute façon, il me faut un point de survie pour que je. Faire demi-tour. L'eau, pour l'instant, j'en ai pas besoin et je pourrais la récupérer après. Donc, je vais faire mouvement 1 pour le bois. Sur le bois, c'est un numéro 6. Donc, du coup, je vais récupérer un point de survie. Alors, là, sur le bois, donc c'est un 6. Oh, c'est mon 6. Je gagne un point de survie et un morceau de bois. Hop. OK. Et ensuite, pareil, il me reste un 6 et un 1. J'aurai la corde là. J'ai mis encore un point de survie, mais je vais me retrouver à côté de l'aigle en sachant qu'il me reste un point de vie. Il faudrait mieux que je me taille. Je vais prendre le masque, peut-être ce tour. Le masque ou la gemme. Je prends trop de l'eau parce que moi, au prochain tour, il va falloir que je récupère de l'eau. Que je vais aller sur la gemme, donc je vais me servir de mon 6 1 2 3 et avec le 1 je récupère la... le cristal. Ok, donc moi j'ai fini de jouer, c'est à l'aigle. L'aigle il va en 2, mais il retourne là où il était. Les pirates ils vont en 6. Ah, ça y est, ils m'ont débusqué. Donc là, un champ vide, ils détruisent l'eau. Non, non, c'est pas possible, sérieux. Me font le coup. Ah, ok. Donc lui revient là. Ici. Nouveau jour. Je perds de la nourriture. Il faudrait mieux que je fasse un sacré score. Ah, mais j'ai qu'un point de survie. Jusqu'à là-bas. Parce que je vais mourir. Ça y est, c'est l'affaire. Alors je fais 5, 4, 1, 1. Attends, mettons, j'ai plus mon masque, en plus je l'ai défaussé. J'ai défaussé mon. Ah ouais, le prochain jour c'est de l'eau, il me faudrait un mouvement combien? Un. 9, 11, 12, 13, 14. Pas 14. Pas 14, et en plus il me reste qu'un point de survie. Dix, onze max. Mort. Mort, je réfléchis, je réfléchis. Ah là, j'ai pas de cul, hein. J'ai pas de cul. La dernière ressource d'eau qui était ici, j'avais prévu de la récupérer. Il me l'a explosé. Je peux pas faire quelque chose. Des points.
Non, si j'ai perdu, je pense qu'on comptabilise pas les points, je suppose. J'ai perdu. Dans tous les cas, moi, il me faut un point de survie pour traverser. Relancer un 1, m'arrêter ici, là. Récupérer la corde, ça me permettrait de récupérer un point de survie. Mais je pourrais, non, je pourrais pas traverser. Traverser. On va voir. On va voir. Donc, je vais me servir de mon 4. 1, 2, 3, 4 sur la corde. Je défausse mon 1. Donc, je gagne un point de survie et une corde. Je défausse un point de survie pour relancer le 1. Et 3. Je fais déplacement 5. 2. Ouais, ben je fais déplacement 5. 5. Non, 1. Donc je dépose mon point de survie. 1, 2, 3, 4, 5. Ici sur la nourriture. Et je dépose mon 3. Pour récupérer la nourriture ici, c'est un 3, donc je regagne un point de survie là et je gagne deux nourritures ici. Donc moi j'ai fini de jouer. C'est à l'aigle. L'aigle il va en 1. Le canon il va en 1. Là, il n'y a plus rien à détruire. Alors pour moi, là, la colonne elle n'est pas dans l'alignement, hein, donc je pense qu'il tire que dans cette petite île. Ici. Et donc, ben, attends, gaz. J'arrive à ce jour-là, ici. Et là, il me faut de l'eau, mais j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. Donc, il meurt de soif. Ah, il meurt de soif. Voilà, j'ai perdu mon dernier point de vie. Je meurs, je suis mort. Ouais, ben, j'ai pas eu de chance, hein. Là, il m'a détruit l'eau. Non, excellent. Franchement, le scénario, vraiment terrible. Terrible, terrible, terrible. Voilà, ça prouve qu'on ne peut pas toujours gagner. Là, l'aigle, j'ai dû défausser deux points de survie aussi à cause de l'aigle. Hein. Il m'a un peu embêté. Et puis, ben, j'ai pas eu de chance. Hein. Le bateau pirate qui était là, il m'a détruit ma dernière réserve d'eau que j'avais besoin pour le scénario. Et malheureusement, j'ai perdu. Donc on va quand même comptabiliser les points, mais je pense qu'une fois qu'on a perdu le scénario, on ne gagne pas de points. Mais on va faire quand même le total. Donc du coup, ça fait 6 et 6, 12, 6, 18. 18, 18, plus 6, 24. Les gemmes, c'est 6. 24, 24, et là j'ai gagné 8 et 8. 8 et 8, 16. 16, ça fait 30, 40 points. Donc ça fait 16, 16 plus 24, donc ça fait 30, 40. Voilà, 40 points, mais bon, j'ai perdu, donc je pense que les points, on ne les comptabilise pas. Donc voilà, super partie, moi je me suis encore bien régalé sur ce jeu. J'espère que cette partie vous aura plu. Si vous voulez encore des informations au niveau des règles de jeu, n'hésitez pas. Je vais partager les règles pour que vous puissiez faire ce challenge. Moi, je vais réessayer quand même une partie pour pouvoir gagner le scénario. Et voilà, donc sur cette défaite, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve très très vite sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde!